chers amis. Lorsque le brouillard monte, le sage demeure sur son chemin et ne le perd pas de vue. Lorsque le regard ne peut plus se porter au loin, car l'horizon devient mouvant comme un mirage, épais comme un lait caillé, les sens se regroupent en soi afin d'éveiller l'attention. Bientôt, tout se resserre dans un espace confiné, l'espace d'une conscience intermédiaire, une conscience sur le seuil, une conscience qui voit le monde se dissoudre devant ses yeux, tandis qu'elle chemine à tâtons vers l'intérieur, en quête de plus de sens. Le sentiment de chevaucher une profondeur sans fin, à l'aveugle, tandis que la brume dense t'enlace, pourrait te faire perdre courage. C'est que la période actuelle est celle de la confusion, celle des illusions, celle des faux-semblants. L'un court à l'aveugle vers ce qu'il croit être une lumière salvatrice. L'autre s'enfonce dans l'obscurité du doute. Peu ont le courage de se tenir dans le dénuement de l'instant, sans certitude, si ce n'est d'être et de savoir qu'il est possible de traverser cette étrange confusion, car au cœur de chacun brille la vraie lumière. Lorsque le brouillard monte, le sage demeure sur son chemin et ne le perd pas de vue. Des signaux divers se manifestent et appellent, comme des cornes de brume signalant de nouveaux obstacles, comme des exclamations de triomphe signalant un proche havre, cornes et cris qui ne sont la plupart du temps illusoire. Tu ne reconnais plus le chemin, pourtant tellement souvent arpenté. Le décor dans lequel tu as grandi et mûri te semble façonné en carton-pâte. Et comme si cela ne suffisait pas à ton trouble, des voix de plus en plus discordantes, les cornes de brume et les exclamations de triomphe s'élèvent ici, ou là, ou ailleurs encore, dans une atmosphère confuse, si bien que tu ne sais plus qui écouter, ni quelle direction prendre. Le chant discordant et cacophonique des marchands de rêves, des alarmistes, des beaux parleurs, des séducteurs, des arrangeurs de fêtes, des temporisateurs, des conformistes, des consolateurs, génèrent un écho qui te parvient de loin en loin. Aucune de ces voix ne t'indique réellement la voix. Écoutez ce chant des sirènes, ouvre grand le chemin des égarements. Lorsque le brouillard monte, le sage demeure sur son chemin et ne le perd pas de vue. Cependant, si tu te retires en toi-même, si tu renonces à définir le monde et ses enjeux qui ne sont pas les tiens, alors tu peux goûter une forme d'apaisement. Bien sûr, le sentiment de tourner en rond, le sentiment de retomber dans les mêmes situations, le sentiment d'entendre tout et son contraire génère des déceptions. Or, même si l'horizon disparaît dans l'épaisseur du brouillard, le sens que tu donnes à ce dont tu fais l'expérience n'appartient qu'à toi-même. Tu peux renoncer au monde, mais non pas renoncer à toi-même. Il est un lieu où le brouillard ne peut pas t'atteindre,
qui est le lieu mystique de la rencontre avec toi-même, au cœur de ta conscience, dans le secret de ton être. Celle ou celui que tu es est modelé d'une substance intemporelle et immortelle. Lorsque le brouillard monte, le sage demeure sur son chemin et se souvient d'où il vient et où il va. Et cela s'appelle la foi. La foi n'est pas une croyance. Et les compétences fondées sur l'expérience avec patience, éprouvées au feu des circonstances, nettes et pures comme une lame tranchante et sans complaisance. La foi est une force coulée dans l'aspérité des réalités, aiguisée dans les contrariétés, étayée dans les épreuves, affermi dans les victoires, maintenu dans la durée. La foi est ce joyau au cœur de ton cœur qui coule avec ton sang et qui te donne une vision suffisante pour aller de l'avant, même lorsque le brouillard et la nuit montent des tréfonds de l'absurde. La foi fait sourire le sage, même lorsqu'il perd de vue le chemin. La foi permet de marcher dans l'obscurité et la brume, avec détachement et conviction, avec pragmatisme et réalisme. Elle t'appartient lorsque tu te souviens que tu es une conscience, une lumière unique et immortelle, intemporel et libre. Alors, les bruits du monde s'estompent et tu retrouves la paix dans l'alignement de ton être. Alors, comme le sage, tu avances un pas après l'autre, avec prudence et détermination, le cœur et les yeux inondés par ta foi. Avec tout le pragmatisme d'un éclaireur en terre inconnue. Et, à chacun de tes pas, tu observes que la lumière que tu cherches jaillit de ton être même pour illuminer ton chemin.